Le frère Lindo Yannick, ici du pasteur Yao Lugan. Je suis bien à notre veille de l'année, comme nous l'attendons, quand elle se tient chaque année au 31 décembre, afin de venir faire le bilan de l'année. D'abord, dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qui s'est déroulé durant toute l'année 2020 et également aussi lui consacrer l'année 2021. Dans laquelle nous allons rentrer l'année pour, à partir de demain, de consacrer tout ce qui sera défi pour l'Église d'abord. On doit être des disciples du Seigneur Jésus-Christ et faire des disciples du Seigneur Jésus-Christ comme la vision de l'Église. Mais également aussi nos différents objectifs aussi, nous devons les consacrer au Seigneur Jésus-Christ, les besoins de nos familles, tout autour, pour que l'année 2021 soit une année de paix, de prospérité, pour la nation également aussi. Donc, il peut dire que c'est pour ces raisons que je suis là cet après-midi. Merci beaucoup. Abondamment malheureux téléspectateurs de la radio télévision Voix de la Croix. Nous sommes ici au lycée municipal de Koumassi, site qui a été retenu pour la grande nuit du 31 décembre, nuit de louanges, d'actions de grâce, d'adorations, de témoignages, de célébration des bienfaits de l'Éternel accomplis tout au long de l'année 2020 et surtout une nuit de préparation de la nouvelle année. Depuis 14h, je dirais même avant ça, les frères ont convergé sur le site et nous sommes là à 18h passé de quelques minutes et les frères continuent de converger sur le site. Les semeurs de l'Évangile sont en pleine balance pour s'assurer que la sonorisation est le point pour assurer une louange exceptionnelle. Le pasteur Beignet qui sera l'orateur assurera le ministère de la parole, la proclamation de l'Évangile et certainement l'orientation de l'Église en ce qui concerne les attentes principales du Seigneur pour l'année 2021. Plus de 16 000 frères sont attendus ici. L'espace est considérablement grand pour assurer la contenance de cette multitude de frères qui viendront non seulement terminer en beauté l'année 2020 dans la présence du Seigneur, mais également entrer dans l'année 2021, étant également dans la présence du Seigneur et avec toutes les directives nécessaires pour une meilleure année 2021. Quant à nous, nous aurons le plaisir de vous permettre de vivre les temps forts de cette grande nuit du 31 décembre. Restez connectés sur la radio télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Merci Goïva Roland, dirigeant numéro 1 de l'Assemblée numéro 13, Yopougon sous centre de Niangon Sud. Et je suis très heureux d'être à ce moment de réjouissance, d'intercession pour rentrer dans une nouvelle année. Et je pense que le cadre est idéal. Le cadre est idéal et nous attendons l'engouement des frères et des invités. Et que la RTVC
puissiez couvrir cet événement dans toute tranquillité, par la grâce du Seigneur. Et je pense que voici mes impressions. Que le Seigneur conduise le reste du temps. Mon cœur est dans la joie. Nos cœurs sont dans la joie. À cause du Seigneur Jésus-Christ qui a combattu quand nous étions dans le monde. Qui a combattu jusqu'à ce que vraiment il nous a amené à lui. C'est là ma joie. C'est là ma joie. Ma joie est tellement grande pour la vie qu'il me donne chaque jour. Le combat qu'il mène pour moi. Je vais lui dire encore merci. Pour tout le long de l'année, il nous a protégés. Gardez moi et ma famille, tous les frères, nos dirigeants de l'église. Il a permis que nous soyons ici. Il nous a encore transportés d'Abobo jusqu'à Koumansi, lycée municipal. C'est pour cela que je vais lui être infiniment reconnaissant pour tous ces grands bienfaits dans notre vie.